Non, je pense que notre début de match, que ce soit en première mi-temps et en début de seconde mi-temps, voilà, on a eu du mal à se mettre dedans encore une fois. Après, on a fait une très très bonne première mi-temps. Dans la récupération du ballon haute, on a été très très bon. On a très bien utilisé le ballon. On s'est créé trois occasions nettes. Voilà, on aurait dû concrétiser dans nos moments forts. Et malheureusement, où la frappe n'était pas assez précise, ou les contrôles. Voilà, c'est dommage parce qu'il y avait la place pour mener le score à la mi-temps, en faisant une grosse première mi-temps. Et après, en deuxième mi-temps, ils ont remis le pied sur le ballon. C'est quand même une belle équipe en face de nous. Ils ont malmené par moment, mais ils ont marqué. Encore une fois, on marque contre notre camp, on dévie le ballon. On a eu un cœur énorme pour s'arracher, pour revenir dans le match et revenir au score. Avec un joli but de Ruben. C'est bien. C'est bien d'avoir au moins ramené, d'avoir arraché ce point du nul. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être, ouais. Parce qu'on a mis quand même beaucoup d'intensité en première mi-temps. Après, en deuxième mi-temps, il y a eu un petit trou de 20 minutes. Et après, on s'est remis dedans à nouveau, quoi. Mais comme je l'ai dit, l'équipe, elle dégage des valeurs qui me plaisent. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas que... Il n'y a pas que l'agressivité, la récupération du ballon. Je pense qu'on défend bien dans l'ensemble. Et puis, on utilise beaucoup mieux le ballon et on fait de très bonnes choses. Ouais. Phase allée, entre guillemets, vu qu'il vous manque de matchs. À la quatrième place, quel bilan tu tires de cette phase allée ? Non, on est très content de l'attitude des joueurs et des points qu'on a aujourd'hui. Voilà, les points, on les a mérités. Je pense qu'il y a un ou deux matchs à l'extérieur où on aurait dû revenir avec des victoires. On a fait des nuls. Voilà. Après, contre Lille, on fait un bon match, on perd, dommage. Et là, ce soir, on aurait pu le gagner, on aurait pu le perdre aussi. On fait match nul. Il nous reste deux matchs en retard, hein, à Nantes et à Paris. Pas des matchs faciles, mais on a les moyens de prendre des points aussi. Que ce soit contre Lille ou contre Lyon, en tout cas, vous prouvez que vous retrouvez là-haut, c'est pas... Pas dû au hasard. Ben non, si on est là aujourd'hui avec 30 points avec Saint-Étienne, c'est qu'on mérite notre place. Et on a envie de rester là-haut. Coach, on vous a vu arranger la tour en deuxième période et puis après ce pétard de Aguilar, qu'est-ce que ça vous a fait Ouais, c'est un point. Il avait marqué en Coupe de France contre une petite équipe amateur, je crois. Mais je suis très content pour lui parce que c'est un garçon, c'est un régal de travailler avec des joueurs comme lui qui, tous les matins, ils arrivent, il a la banane pour travailler. L'entraînement, il est tout le temps comme ça, tout le temps à fond. Et c'est un régal. Voilà. C'est à l'écoute, c'est envie de progresser tout le temps. Et il progresse de jour en jour. Hein. Ouais, on l'a vu, on l'a très bien vu. Elle est passée entre les jambes du défenseur et elle finit en pleine lunette, c'est bien. Content pour lui. Bonne fête à tous.